On a passé de 4000 à 44 000 hectares pour dire qu'il n'y a plus de surface pour recultiver maintenant. Pour montrer que le PSE est en marche. Du côté du matériel agricole, l'État a donné des machines de poids lourds, des batteuses, des tracteurs, des GMP, c'est-à-dire le groupe motopompe, aux cultivateurs et aux producteurs. Pour dire qu'il n'y a pas de nébuleuse dans la gestion ou bien dans la distribution des machines à pompe. Que tout a été fait sur la base de la transparence. Il y avait une commission qui était là, chargée de la distribution des machines à pompe. Il y avait le sous-préfet qui était là pour assister et observer et jouer un rôle que l'État devait faire. Donc il n'y a pas de nébuleuse dans la gestion. En plus, pour dire que le pari en agriculture, on avait dit au seuil de 2017, on a atteint à 80% parce qu'il y a de grands producteurs qui sont là, qui sont passés de 100 hectares à 450 hectares et même 500 à 700 hectares même. Pour dire que dans le Wallo, dans le bas delta, dans le delta central et dans le haut delta, il n'y a plus même de travailleurs pour travailler sur les surfaces cultivables.